Le 25 ans, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa avait vingt-cinq ans, Khadija bint Khuwaylid a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de sa confiance, de sa véracité. Elle lui a donc proposé... Elle a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de commercer avec son argent Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti avec l'argent de Khadija Vers euh, le Chême pour commercer avec son argent Et il est revenu à Aïcha Il est revenu à Khadija anha, Avec des gains فعندما رأت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه تزوج بها. et lorsqu'elle a vu cela du prophète صلى الله عليه وسلم sa confiance sa véracité etc et le fait qu'ils soient revenus avec des gains et eh bien elle lui a proposé de se marier avec. أهل كبار سادات قريش الكل كان يتطلع إلى الزواج بخديجة رضي الله عنها لما عرف عنها من فضلها وشرفها ونسبها. Tous les grands, les nobles de Mecca voulaient se marier avec Khadija anha, puisqu'ils savaient que c'était une personne noble, etc. Donc le prophète sallallahu wa a demandé sa main et il y a eu l'acte de mariage. Tous les enfants du prophète sallallahu wa sont de Khadija. Et ces, ces enfants sont Al-Qasim. Al -Qasim. Et donc le prophète, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait pour kunya, pour surnom, Abu al-Qasim. Et il n'est permis, il n'est permis à personne d'avoir cette kunya là, Abu al-Qasim. De, en Ibrahim, dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite son deuxième enfant, Ibrahim. و... Abdullah. Abdullah. plus donc, le Tayyib Abdullah, avait deux surnoms, le bon et, 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 et le pur. Ensuite, il y a eu Fatima, وراقية وراقية وزينب 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 et Umm Ils étaient donc au nombre de sept, les enfants à Khadija. Trois, euh, trois, trois garçons et quatre femmes, et quatre quatre filles. Tous ces enfants sont, sont les enfants de, du prophète alayhi wa sallam avec son épouse Khadija. Sauf Ibrahim, lui, c'est le fils de Marya.